إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Très chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue pour votre rendez-vous avec le droit chemin, une émission consacrée exclusivement à l'étude du Saint-Coran. Vous vous rappelez très probablement que dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'identité du Saint-Coran, sa nécessité et sa supériorité aussi. Nous avons aussi eu la chance de parler un peu sur la préservation du Saint-Coran dans toute son authenticité. L'épisode d'aujourd'hui sera entièrement consacré à ce sujet. Pour ce fait, nous avons avec nous dans le studio Murabbi Shamim Jamal Ahmed Saheb et Murabbi Nour Turawali Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avions eu la chance de parler un peu sur ce sujet la dernière fois. Nour Saheb, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur le début de la révélation et les premières révélations en question? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dans l'épisode précédent, on avait longuement discuté à propos d'un aspect du Saint-Coran qui est très probablement unique comparé avec les autres écritures qui ont été révélées avant le Saint-Coran. Par exemple, il y a des livres qui ont été révélés ou bien les enseignements qui ont été révélés à des prophètes antérieurs avant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui ont été très probablement interpellés, qui ont été changés avec le temps, où les enseignements ont été mal compris, alors que le Saint-Coran, dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala nous enseigne que « Inna nahnu nazzalna zikra », que certainement c'est nous qui avons révélé ce livre nommé « Al-Dhikr » et « Wa inna lahu lahafidhun » et c'est certainement nous, c'est-à-dire Allah Ta'ala qui prend la charge de sauvegarder ce livre. Donc comment est-ce que ce livre a été révélé? Donc au début de l'islam, vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala avait commencé à envoyer l'ange Gabriel au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enseignements du Coran. Certes, il y avait d'autres révélations, il y avait d'autres moyens de communication là où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait des différents types de révélations. Mais concernant le Saint-Coran, Allah Ta'ala a commencé à envoyer l'ange Gabriel pour enseigner à Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les enseignements qui par la suite va être compilé, allait être compilé dans la forme du Saint-Coran. Donc quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se rendre dans la cave, dans la grotte de Hira, qui était tout près de la Mecque. Donc là-bas, il avait l'habitude de méditer, de demander des doigts, des prières. Et arrivé un moment, et là, l'ange Gabriel a commencé à enseigner à Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les premiers versets qui ont été révélés, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, que récite au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Donc, et là, c'était le commencement des révélations du Saint-Coran. Donc, pendant 23 ans, l'ange Gabriel est venu vers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enseignements du Coran, avec les paroles du Coran, et il a révélé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette période de 23 ans. Mais quand on voit, quand on constate d'après les ahadiths et même les dires des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils expliquent comment cette révélation a été faite, on voit aussi que dans le commencement, ces révélations n'étaient pas fréquentes.
Donc, il y a même des moments où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que pendant une période d'un mois, pendant même plus d'un mois, l'ange Gabriel ne venait pas. Donc, il n'y avait pas de révélation fréquente et très courante. Et il y a définitivement des sagesses dans ce cas où, dans le commencement, la révélation n'était pas très fréquente. Parce que, d'ailleurs, regarde la logique des choses. Au commencement de l'islam, il y avait seulement quelques compagnons. Quelques-uns qui ont accepté le message de l'islam, qui ont accepté le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, peut-être que ça allait créer un problème pour mémoriser ou pour comprendre l'essence de l'islam, qui est vraiment assez fond, qui est très défini. Donc, pour ces compagnons, dans le commencement, cela peut-être allait être difficile pour aller en détail dans les enseignements de l'islam. Donc, au commencement, c'était très peu. Et c'était après plusieurs jours et des fois même des semaines que l'ange Gabriel venait vers le Saint-Prophète avec des révélations. Mais au fil des temps, avec des nouveaux bêtes, que plusieurs personnes maintenant ont commencé à accepter le message de l'islam et ils ont commencé à mémoriser les versets du Saint-Coran, maintenant ces versets, ces révélations étaient bien sauvegardées. Donc l'ange Gabriel venait de plus en plus et avec des messages plus en détail et qui avaient des philosophies beaucoup plus profondes. Et ses compagnons étaient dans une position pour comprendre ces messages et c'était plus facile pour les mémoriser. Par exemple, au commencement de l'islam, il y avait seulement quelques compagnons, quelques sahabas qui avaient accepté le message de l'islam et qui mémorisaient ces versets. Mais à la fin de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il y avait plus de 100 000 compagnons. Et parmi ces compagnons, il y en avait la majorité qui avait mémorisé plusieurs parties de ces révélations connues comme le Saint-Coran. Donc là, avec le progrès et l'expansion de l'islam, donc les révélations aussi ont commencé à augmenter en nombre et en volume. Et il y avait, et dans les livres de hadith et les livres d'histoire de l'islam, on voit qu'il y avait beaucoup de sahaba, beaucoup de compagnons qui ont mémorisé les versets du Saint-Coran et même les chapitres. Et il y avait même beaucoup de hufaz qui ont mémorisé ces versets du Saint-Coran. Et aussi, comment ce livre était en train, comment le Coran était en train d'être révélé. Donc, pendant plusieurs jours ou semaines ou pendant des mois avec la révélation qui a été faite. Donc, dans le mois de Ramzan, Hazrat Jibrail aussi venait vers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et le faisait réviser toutes les portions qui ont été révélées pendant cette période. Jazakumullah, Nour Sahib. Donc, à travers votre réponse, on comprend que la révélation du Saint-Coran a été faite d'une façon progressive. On comprend aussi qu'il y avait différents moyens qui ont été adoptés pour la préservation du Saint-Coran. Et Chamim Saheb, pouvez-vous nous éclaircir peut-être un peu plus sur ce sujet en question, la préservation et les moyens? A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Il y avait plusieurs moyens qui ont été adoptés pour faciliter la mémorisation du Saint-Coran. Un des moyens a été mentionné par Nour Sahib, le fait que le Coran a été révélé d'une façon progressive a aidé très certainement à la mémorisation de ce livre. Mais aussi, il y a plusieurs d'autres moyens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très certainement guidé par Allah, avait mis en place pour assurer que le Coran sera mémorisé en bonne et due forme. Par exemple, je pense que le premier et le plus important de ces moyens est le fait que dès qu'un verset du Saint-Coran fut révélé, ou quelques versets du Saint-Coran, ces versets étaient mis en écrit. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une quinzaine de compagnons qui étaient connus comme les katibé wahi, ceux qui étaient responsables pour écrire les versets du Saint-Coran. Donc, dès qu'un verset était révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait un de ses compagnons et selon
livres de hadith, les traditions, il y en a une quinzaine. Parmi, il y a Hazrat Zayd bin Thabit, Hazrat Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Saad, etc., etc. Eux, c'était leur rôle de décrire ces versets coraniques. Donc, ça, c'est la première des choses, que les versets coraniques étaient mis en écrit à l'époque même du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, comme nous le savons tous, il est primordial, il est important pour les musulmans de réciter le Saint-Coran pendant la salat, pendant la prière. Donc, le Saint-Coran fait partie de la salat. Donc, à l'époque du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, les compagnons, d'une façon générale, étaient contraints ou forcés de mémoriser quelques portions du Saint-Coran afin qu'ils puissent offrir la salat convenablement. Le Saint-Coran contient aussi tous les versets qui sont reliés à la charia, c'est-à-dire la loi islamique, la philosophie même de l'islam, les préceptes moraux, les enseignements concernant la vie sociale. Et tous ces enseignements et tous ces versets sont nécessaires pour la formation, pour le développement d'une nation en général. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, il formait plusieurs musulmans afin qu'ils puissent assumer les divers rôles dans la société pour gérer les affaires de l'État. Par exemple, les juges et les juristes qui devaient gérer les disputes parmi les musulmans, et aussi il y avait d'autres qui étaient censés d'enseigner les préceptes moraux aux musulmans en général. Donc, toutes ces personnes, ils n'auraient pas pu faire justice à leur tâche aussi longtemps qu'ils n'eussent pas mémorisé le Saint-Coran dans son intégralité. Donc, ceci est un moyen aussi que ces personnes qui ont été données ces tâches spécifiques ont mémorisé les versets, le Saint-Coran dans son entier. D'ailleurs, concernant la mémorisation du Saint-Coran, si vous avez mentionné qu'il y avait des juristes ou des juges ou des personnes qui devraient mémoriser le Saint-Coran pour pouvoir faire justice à leurs tâches, mais on constate aussi que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vivement encouragé, en général, la mémorisation du Saint-Coran. Pas les musulmans en général. Les musulmans en général. Parce qu'il y en a des hadiths que, par exemple, l'imam Ahmad bin Hanbal, sur l'autorité de Hazrat Abdullah bin Umar, qu'il y avait même des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils mémorisaient. Parce que c'était assez compliqué, même le texte et la signification du texte était des fois assez compliqué pour certains gens. Mais le fait que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vivement encouragé qu'il faut mémoriser ou des portions du Saint-Coran ou le Saint-Coran dans son intégralité, il y en a beaucoup qui sont venus de l'avant. Ils ont commencé à mémoriser. Par exemple, il y a quelqu'un qui est venu, et c'est Hazrat Abdullah bin Umar qui rapporte ce hadith, que quelqu'un est venu vers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son fils. Et là, le fils est en train de dire que je ne comprends rien dans ce que je mémorise, alors que mon père est en train de m'encourager pour mémoriser le Saint-Coran comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette instruction. Et là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cet incident, on comprend que pas seulement les intellectuels ou les professionnels qui devraient mémoriser le Coran, il y avait tout le monde qui même voulait, les enfants. Même les enfants. Par exemple, il y a ce hadith qui est suffisamment clair à ce propos, que celui qui a mémorisé le Saint-Coran, il va être sauvegardé du feu de l'enfer. Donc, pour encourager les gens à mémoriser le Coran et à comprendre le texte du Saint-Coran. Donc, de ce fait, il y avait comme une vague de gens qui voulaient mémoriser le Saint-Coran, qui voulaient apprendre le texte du Saint-Coran. Donc là, ça a commencé à apporter, pas un peu un problème, mais c'est quelque chose de nouveau, ça devrait être organisé. Donc, parmi les moyens pour la préservation du Saint-Coran, on voit aussi quelque chose de très intéressant que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam
à initier. Puisqu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient mémoriser le Saint-Coran, donc là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé 4 personnes parmi ses compagnons. Ces personnes avaient comme tâche d'enseigner les autres la mémorisation du Saint-Coran et la prononciation. Parmi ces 4 maîtres, il y avait Hazrat Abdullah bin Mas'ud, Hazrat Salim Mawla Abi Huzaifa, Muaz bin Jabal et Ubay bin Ka'b. Qu'Allah soit content avec eux. Donc parmi ces compagnons, il y avait ces quatre-là qui avaient comme tâche d'enseigner le Saint-Coran. Donc pour enseigner le Saint-Coran, d'abord, eux-mêmes, ils devaient apprendre le Saint-Coran. Et leur maître, c'était le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part d'enseigner les autres, il avait choisi ces 4-là pour les enseigner afin qu'ils puissent aller vers les gens en général pour enseigner. Et parmi ces 4 maîtres qui ont été choisis, 2 parmi eux étaient des muhajirs, c'était des Mekwa, et les deux autres c'était des Ansar. Hazrat Abdullah bin Masoud était un laboureur. Hazrat Salim Maula était un esclave affranchi. Et les 2 Ansar étaient parmi les familles nobles de Médine. Donc, de cette manière-là, on voit aussi que la population en général, tous les croyants, tous les musulmans en général, pouvaient se retrouver parmi ces 4. S'il est un laboureur ou parmi des familles nobles, donc il pouvait aller vers quelqu'un. Il pouvait approcher facilement. Donc là, tous les croyants étaient représentés parmi ces 4 compagnons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi pour enseigner le Saint-Coran. Et aussi, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de compagnons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi pour vérifier leur mémorisation, leur hifz, leur mémorisation du Saint-Coran. Parmi, il y avait Hazrat Zayd bin Thabit, Abu Zayd Qais bin Al-Sakan, il y avait Hazrat Abdullah bin Umar, et parmi d'autres, Hazrat Abu Darda. Donc, ces compagnons étaient connus comme ceux qui avaient vraiment appris le Saint-Coran. Ils ont mémorisé le Saint-Coran, ils connaissaient la prononciation du Saint-Coran et même la signification et les commentaires du Saint-Coran comme ça a été expliqué par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aussi mentionner que les Arabes, de par leur nature, étaient dotés d'une mémoire extraordinaire. Et c'était dans leur culture aussi de mémoriser les textes, par exemple les poèmes pré-islamiques et aussi leur arbre généalogique. Donc, les Arabes avaient déjà cette culture de mémoriser des textes en grand volume. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour eux de mémoriser les versets coraniques. C'est la raison pour laquelle on retrouve les compagnons du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient en grand nombre mémorisé ce livre sacré. Concernant les Hufaz, ils étaient vraiment en grand nombre. Oui. Par exemple, pendant la bataille, quand l'armée musulmane était sortie pour aller affronter l'armée de Moussa Elima, donc parmi eux, il y avait 3000 Hufaz, 3000 compagnons qui avaient mémorisé le Saint-Coran. Okay. Ils étaient des Hufaz, et c'était eux qui sont partis pour détruire l'armée de Moussa Elima. Mm-hmm. Et l'histoire est témoin que c'était l'armée des Hufaz, et les Hufaz avaient était si courageux dans le champ de bataille que l'armée de l'ennemi était... Il ne pouvait même pas affronter ces Hufaz sur le champ de bataille. Bien qu'ils soient plus nombreux. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui mémorisent toujours le Saint-Coran dans son intégralité. Il y a toujours ce système de mémorisation. Donc, parmi les musulmans, et c'est très commun, que dès l'enfance, ce sont les premières choses qu'on va enseigner à nos enfants, la récitation des portions du Saint-Coran qui sont faciles, les petits sourates, les petits chapitres pour la mémorisation. Avec le temps, on enseigne à nos enfants beaucoup plus, et il y a des écoles, il y a des même au niveau de la Jamaat aussi. Au niveau de la Jamaat, il y a des madrasas qui enseignent.
là où les enfants sont envoyés, ils mémorisent intégralement le Saint-Coran dans la présence des Hufaz. Donc on comprend qu'à travers ces différents moyens, le Coran a pu être préservé tel qu'il était initialement révélé. Mais quelles sont les procédures qui ont été adoptées pour la mise en page de ce même Saint-Coran pour finalement qu'il prenne la forme qu'on le connaît aujourd'hui? Comme nous le savons bien le mentionner, il y avait des milliers de personnes qui avaient déjà mémorisé le Saint-Coran à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'époque de Hazrat Abu Bakr Siddiq, le premier calife de l'islam, nous le savons bien de mentionner la bataille qui avait eu lieu entre l'armée musulmane et Musaylimah Kazzab. Et comme Nusayb a mentionné, il y avait 3000 Hufaz qui étaient parmi l'armée, qui formaient partie de l'armée musulmane. Et pendant ce bataille-là, 500 Hufaz ont été décédés pendant le bataille avec Musaylimah Kazzab. Donc après cette bataille, Hazrat Umar Rizallah Talanhu est venu voir Hazrat Abu Bakr Siddiq en lui disant que voilà, il y a un grand nombre de Hufaz qui ont décédé, qui ont tombé en martyr pendant cette bataille. Donc maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi est décédé et que la révélation du Saint-Coran est complète, on doit faire de sorte qu'on va compiler tous les versets qui ont été déjà écrits pendant la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces versets qui ont été écrits dans divers endroits, sur les parchemins, sur les morceaux de peau. Et il y a diverses façons que les compagnons avaient l'habitude d'écrire ces versets. Hazrat Omar a suggéré au calife, Hazrat Abu Bakr Siddiq, qu'il devrait compiler et en faire un livre complet. Hazrat Abu Bakr Siddiq avait hésité au début, mais à la fin, il a accepté et il avait choisi de nommer Hazrat Zayd bin Thabit, qui était parmi les Katibé Wahi, le premier des Katibé Wahi, qui avait l'habitude d'écrire les révélations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran bien sûr. Et il avait choisi Zayd bin Thabit avec bien sûr l'aide et le support des autres compagnons, qu'ils doivent compiler tous les fragments, tous les parchemins qui étaient déjà écrits. Et ensuite, ils devraient former un livre complet. Et ensuite, Hazrat Abu Bakr Siddiq a aussi nommé deux autres Hufaz qui avaient pour tâche de vérifier l'exactitude et l'authenticité de ce livre qui a été compilé par Hazrat Zayd bin Thabit. Maintenant, comme Nusayb vient de dire, il y avait des milliers de Hufaz à l'époque. Si jamais il y avait, peut-être par oubli, ils ont laissé un verset ou ajouté un verset, c'était sur le champ, les autres compagnons auraient corrigé l'erreur que Hazrat Zayd bin Thabit aurait fait et aussi les deux Hufaz qui ont été choisis pour cette tâche. Donc, à l'époque du prophète de Hazrat Abu Bakr Siddiq, le livre a été... Le Coran a été compilé comme un livre en écrit. Et ensuite, à l'époque de Hazrat Omar, à l'époque de Hazrat Osman, avec le progrès et l'expansion de l'islam, il y avait plusieurs autres tribus qui ont commencé à accepter le message de l'islam. Et parmi les tribus arabes, il y avait certaines qui avaient l'habitude de prononcer des mots d'une façon différente. Les accents étaient différents de tribu en tribu. Et les non-musulmans pensaient que peut-être ces gens-là ne connaissaient pas le Saint-Coran ou récitaient le Saint-Coran d'une façon différente. Et Hazrat Ousmane avait ensuite préparé des copies de ce livre qui a été produit à l'époque de Hazrat Abu Bakr Siddiq. Et ensuite, il avait sept copies, il avait expédié ces copies dans les différentes parties de l'Empire islamique avec l'instruction qu'on doit réciter le Saint-Coran comme il est écrit et pas avec des déviations ou des changements, même au niveau de certaines voyelles. Donc, de cette façon, maintenant, le Saint-Coran a pris la forme d'un livre et aussi la récitation du Saint-Coran était uniforme dans l'Empire islamique. Cet épisode a très certainement été très riche en informations. J'espère que, comme nous, vous avez tiré plaisir à l'écouter.
Jazakumullah une fois de plus à nos deux Mourabiyan pour leur intervention. C'est ici que prendra fin cet épisode. Au plaisir de vous retrouver. Jazakumullah, Sana Jaza pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.